répondre aujourd'hui de pisser dans des violons plutôt que dans des urinoirs qu'on réserve à la décoration, je me soulage. En dénonçant tout azimut, la main mise sur l'art de ce cher Belzébuth. Je préfère l'art populaire à l'art contemporain, à l'art contemporain pourri, content de lui. C'est quoi un artiste aujourd'hui? Un commercial qui collectionne les connexions. Tu sais jamais si c'est de l'art ou du cochon. Seuls les plus roubles ars fondéront. L'artiste, soi-disant anarchiste, ne rêve que d'une chose. Entrer au musée pour y exposer ses névroses. Avant, l'art, c'était pas qu'une question de salaire, mais ça commence à faire un bout de temps qu'il ventile un salaire. J'entends les conseillers financiers. L'art est une valeur refuge en ces temps de crise. Investissez massivement. La mode d'aujourd'hui, c'est Aitia, 5 ans. C'est du Pollock avec plus de mouvement. 100 000 balles pour l'instant. Mais si elle se suicide avant d'être adolescente, ce sera le jackpot pour ses parents! Et dire que je trouvais ceux de Jordi indécent. Donc, de nouveaux riches, chinois ou russes, mettent des pièces sur ces soi-disant masterpieces. Plus c'est cher, plus ils sont fiers. Mais faut pacifier. Leur cote ne sera jamais meilleure qu'hier. La merde perd de sa valeur dès qu'elle se refroidit, mais conserve le goût amer des émotions non investies. Crise des subprimes, art contemporain, même combat. Délit d'initié, actif toxique et montage financier. Ouais, Patrick? Ouais, montre-moi un truc, là. Tu me mets du Jeff Koons, tu me rajoutes, je sais pas, un surréaliste, impressionniste, m'en fous, là. Mets-moi du Matisse et puis tu me mets l'autre qui joue avec son caca, là. Ça va bien partir, ça, je suis sûr. De son cheval de Troie, Duchamp a gagné la bataille. En un clin d'œil, on a breveté la couleur du ciel. Et for the love of God, on amasse des fortunes substantielles. C'est inconcevable. Tout est concept. Manipulation génétique, exhibition de symboles nazis. Au nom de la liberté d'expression, toutes les dérives se justifient. Caché derrière le saint graal de la catharsis, l'art contemporain remplace la morale par le kitsch. On nous vante les mérites du non-sens pour mieux anesthésier nos consciences. Soutenu par l'État et les médias, ce relativisme fait loi. Une société à l'art qu'elle mérite, dit-on. Pourtant, en dehors de cet art consommation, existe un art qui pose de bonnes questions. Qui cherche à trouver du sens avant de penser reconnaissance. Loin des circuits de distribution officiels, bouillonne une source substantielle, et dont chacun d'entre nous est dépositaire. Cet art s'appelle l'art populaire. Oh.